devoir répliquer. Sarah va bien, boss. Je m'en suis occupé. Quand elle a commencé ici, elle dépassait même pas le comptoir. Tu sais, Tom, j'ai pas la chance d'avoir une fille. Je ferais n'importe quoi pour la gamine de Luigi. Moi aussi. Nous tous. C'est vrai, boss. On ferait tout pour Luigi et Sarah. Putain de merde, ils se croient à Luna Park, ces gros enfoirés ou quoi? Je vais leur arracher la colonne vertébrale à ces connards. Notre business, c'est la protection. Mais qui va nous payer quand les gens vont apprendre qu'on n'est même pas capable de protéger l'une des nôtres? Qu'est-ce que vous décidez? On va leur donner une bonne leçon. Et on va leur briser tous les os. Ils pourront plus jamais marcher. On va leur défoncer la tête. Même leurs mères pourront pas les regarder sans hurler. On sait où ils sont planqués? Un ami dans la police nous dit de regarder vers Chinatown. Ça veut dire que Big Beef a des infos. Tommy, va chez Vinny et récupère du matos. On se retrouve chez Beef. Ouais, ok. Quand vous aurez fini, laissez-les dans la rue. Je veux que tout le monde sache qu'ici, on laisse pas les chiens enragés rôder dans notre quartier. C'est compris, boss. Ces enfoirés sont peut-être encore sur notre territoire. Je vais voir dans le quartier, m'assurer qu'ils sont partis. Toi, va voir Beef. Bonne chasse. Ouais, pareil. Bon, quand t'auras fini avec Vinny, viens me voir à Chinatown. D'accord. On va aller botter des culs. C'est minable, nos manques de respect. Où est-ce qu'il a le respect dans cette ville, Franck? Il y a des types qui s'en prennent à ça en pleine rue. Autant les revoir. T'es là pour un flingue, Tom? Non, je suis déjà équipé pour ça. Polly et moi, on doit aller tabasser des racailles qui traînent sur notre territoire. J'ai pas envie de dégainer et que ça pisse le sang dans nos rues. Je veux juste les dérouiller. Ça devrait suffire. Sam a fouillé l'entrepôt d'un type et il a trouvé ça. Avec l'autographe de Babe Ruth en personne, qui dit. Bon, c'est des conneries, mais avec ça... Tu casses des gueules, tes racailles seront servies. Ça, c'est sûr. Merci, Vinny. Casse-leur la gueule, Tom. Montrer que le quartier est à nous. C'est pas trop tôt. Allez, je suis trempé. J'arrive pas à croire que Biff soit venu dans ce coin pourri, ça me dépasse. Lâche-le un peu, il est amoureux. Tu parles. Il s'est entiché des Asiatiques depuis qu'il a vu des films cochons venus de Shanghai. Je la trouve charmante, moi. Ton problème, c'est que ton point faible, c'est les gonzesses.
Biff, sale gros porc. Comment tu vas? Chutmao, Loutin, les tiens, on des tiens. J'en ai sans sans soyons que tiens, baisse à Cholai. Salut poupée, ravi de te voir. En voilà, Biff, on a du boulot. À l'étage, s'il vous plaît. Mouillon le faille. Bon, alors, y'a un pépin? On a besoin d'infos. Y'a des guignols qui posent problème. Ils ont déconné avec la fille de Luigi. On n'en manque pas ici. T'as rien d'autre? Un de ces enfoirés s'appelle Billy. Y'a un type un peu bégueule et un chauve qui boxe bien. Ah ouais, je vois qui c'est. Ils sont dans l'ancienne station-service à un pâté de maison d'ici. Ils carottent du matos. Des amateurs. C'est pour ça que je suis venu te voir. Tu t'y connais en amateur. Passez par derrière, traversez la rue. C'est là qu'ils sont. Merci. À bientôt, mon pote. Au fait, Polly, à propos du fric... Du calme. On attend que mon contact passe. Ce sera la semaine prochaine, t'en fais pas. De quoi vous parliez? Vous avez une affaire, tous les deux? Ouais, une connaissance fait entrer des cargaisons de costards. Des costards classe, mexicains. Tu fais venir tes costards de Mexico? Eh non, abruti. Les costards viennent d'un entrepôt dans le centre. Le tailleur, lui, vient de Mexico. Enfin, à l'origine. Il vit à Holbrook. Le Don sait pour tout ça? Ouais, ouais. Il touchera sa commission. T'occupe pas de tout ça. J'ai rien entendu. Tu vas les reconnaître, ces fumiers, en les voyant? Ouais. Et puis tu sais, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de types comme eux et nous dans Chinatown. Ah, c'est ici. Voilà ce qu'on va faire. Je rentre et je tabasse les types. Toi, tu fais pareil. Pas de flingue. T'as mis longtemps à la trouver, ta stratégie? Non, ça, c'est l'approche standard. Je crois qu'on a intérêt à rentrer par le côté. T'assures, mon gars, j'avais jamais vu un cul pareil. Wow, wow. Hey, Billy, c'est le type de l'autre fois. Faut qu'on trace. Faut le choper. Les mecs, il est là. Vite, chope-les. Oh, mais je m'énerve. Voilà, pourquoi faut pas nous faire chier. Chopez-le. Allez, on y va, les gars. Franchis la clôture avant qu'il s'en aille. Vous avez les couilles de venir sur notre territoire! Tu vas crever ici, tu le sais au moins! Sors ton arme, Tom! Il veut la jouer à la dure! Tu crois que je t'ai attendu? Je vais au nord, tu vas au sud. Quoi? Je vais là-haut, toi tu vas là-bas. Ouais, ouais, d'accord! Billy, faut qu'on y aille, allez! Courez! Vite! Tous ces fils de chien, tue-les tous.
Barrez-vous de chez nous. Attention, c'est bon. Je crois que c'était le dernier. Il nous faut la caisse. Toi, dégage. Dessus aussi vite? Si tu fais abstraction de la flotte, je crois qu'on peut suivre les traces de piste. Ils vont regretter d'avoir posé les yeux sur Sarah, pas vrai? Allez, allez, allez! Faut pas les laisser s'enfuir! Ils croient vraiment qu'ils vont nous semer, ces cons! Ils t'ont jamais vu conduire! Je crois que c'était le dernier. Cet abruti a réussi à se foutre dans le décor. Ça veut pas dire que c'est terminé pour autant. Allez, vas-y, bute-le. Non. Non, non, attendez. Pitié. Pitié, s'il vous plaît. Je peux pas crever, merde. Qu'est-ce qui t'arrive? Me dis pas que t'as de la peine pour ces fils de pute. S'ils pouvaient, crois-moi, qu'ils t'auraient déjà plombé. Appuie sur la détente, réfléchis pas. Je suis à sec. Mais lui aussi, on dirait. Mère Dieu. Reprends-toi. Tu te souviens de ce que ces salopards voulaient faire à Sarah? Ouais. Je sais, mais... Allez. On ferait bien de foutre le camp avant que les flics se pointent.